Carole Bouquet, qui a partagé sa vie avec Gérard Depardieu de 1996 à 2005, a récemment pris la parole sur les accusations d'agression sexuelle et de viol qui pèsent sur l'acteur. Dans une tribune publiée dans Le Figaro le 26 décembre dernier, elle a choisi de défendre son ancien partenaire. Dans une interview accordée à Paris Match, elle a approfondi ses réflexions sur cette situation délicate. « Je comprends que mes propos puissent être mal perçus. Je suis une fervente féministe et j'ai fondé l'association La Voix de l'Enfant pour protéger les femmes et les enfants. Je reconnais que le mouvement #MeToo peut parfois sembler excessif, mais cela est compréhensible compte tenu des luttes passées des femmes. Cela dit, je déplore les souffrances de certains de mes amis. Je ne peux que faire confiance à la justice de notre pays », a-t-elle déclaré. Brigitte Macron a eu plusieurs échanges avec Carole Bouquet concernant l'affaire Depardieu. Selon la Tribune du Dimanche, l'actrice a toujours soutenu son ex-compagnon. Avec Catherine Deneuve, elle a même contacté Rima Abdul-Malak, alors ministre de la Culture, pour défendre la présomption d'innocence de l'acteur en décembre 2023. Il est important de rappeler que plusieurs femmes ont porté plainte contre Gérard Depardieu, qui doit comparaître devant le tribunal correctionnel le 28 octobre 2024. Son avocat, M. Jérémy Assou, a confirmé cette comparution. La proximité entre Carole Bouquet et Brigitte Macron est également soulignée, avec des échanges réguliers entre les deux femmes. Pendant ce temps, Emmanuel Macron a exprimé son admiration pour Gérard Depardieu lors de l'émission « C'est à vous » sur France 5, qualifiant l'acteur de « génie » et dénonçant ce qu'il appelle une « chasse aux sorcières ». Il a affirmé qu'il ne retirerait pas la Légion d'honneur à des artistes en raison de leurs déclarations controversées. Cette situation complexe soulève des questions sur la justice, la défense des droits des femmes et la place des artistes dans la société. Carole Bouquet, en tant que figure publique, continue de naviguer entre son soutien à la justice et sa loyauté envers un ancien compagnon.